Pendant les congés du carnaval, nous sommes allés au Rwanda. Nous étions 16 élèves du collège Saint-Curin. Durant ce voyage solidaire, 3 professeurs et 2 accompagnateurs d'entraide et fraternité nous ont encadrés. En partant au Rwanda, on pensait apporter quelque chose aux habitants, mais nous avons été surpris. Ce sont les Rwandais qui nous ont apporté beaucoup de choses. Ce voyage nous a permis d'ouvrir les yeux. Grâce à de nombreuses personnes, de rencontres et de découvertes, nous avons pris conscience de pas mal de choses. Ce voyage a permis à certains d'aller plus facilement à la rencontre des autres, mais également d'être moins égoïste et de moins être focalisé sur ses problèmes personnels. Certains veulent être plus solidaires et penser aux autres avant eux. D'autres ont appris à mieux se connaître eux-mêmes. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de communiquer avec des personnes qui ne parlaient pas le français, ainsi que de s'ouvrir à d'autres personnes qui peuvent nous amener à penser différemment. Les Rwandais nous ont beaucoup inspirés et impressionnés. Ceux-ci nous accueillaient sans réfléchir et nous invitaient. Un jour, nous venions de visiter un musée sur le Rwanda et un mariage se préparait dans le jardin. Un homme s'est avancé vers nous et nous a invités au mariage. Nous y sommes allés tous ensemble et le serveur qui nous avait invités n'a pas arrêté de nous servir et de nous demander ce qu'on désirait. Avant de partir, nous avions quelques attentes par rapport au voyage. Mais les Rwandais ont fait bien plus que les satisfaire, ils les ont surpassés. Et Angélique nous a confié que ce voyage l'avait rendue encore plus fière d'être rwandaise.